Cela aurait pu arriver, chère Alice. Connaissiez-vous le pauvre Monsieur Crook? Mort, calciné. Le docteur Wilson ne croit pas aux combustions spontanées, mais Monsieur Dickens avait raison.
chez le Chapelier, presque comme je m'en souviens. Les apparences, tu le sais mieux que quiconque, sont parfois trompeuses, Idel. Les choses ont changé depuis ta dernière visite. Le docteur Bumby dit qu'il est bon de changer. Il dit qu'il faut l'accepter. On peut changer en bien ou en mal, mais sûrement pas en la même chose. Le Chapelier, trouve-le. Son esprit est plus changeant que le tien. Que sait-il de la différence entre le bien et le mal? Tu t'amuses bien, Lydia? Je vois que tu n'as toujours pas retrouvé le sens de la réalité. Je sais me débrouiller toute seule, chat. Retourne donc dormir sur ton paillasson. Je crie si j'ai besoin. Quelle humeur de chien! La question n'est pas si tu as besoin, Lidl, c'est quand. Va, tiens bon, et comme on dit, tais-toi. Bien sûr, facile à dire. Heureusement que je n'ai rien de cassé. Habituellement, mes entrées sont plus soignées. Lizzie, te souviens-tu de cette vapeur qui a soulevé ta robe par-dessus ta tête? C'était juste devant chez Arroz. Heureusement que je venais de laver ta culotte.
Je t'ouvre mon cœur, Alice, pour toujours, sans limite, pas de serrure.
Regarde bien ces briques, Alice. De bonnes pierres, solides et robustes, qui résisteront au feu et aux pluies, et à tous les pervers qui traînent dans les rues par les temps qui courent. Je sais que vous m'avez comprise, petite capricieuse. Utilisez le bassin et laissez cet affreux lapin. Alice était souvent seule, une enfant froide et réservée, je présume. Sa grande sœur, bien que très appréciée, n'était plus en âge de jouer.
Pressé par le temps, trouve-le, ou tu en seras à court.